cours de mathématiques, tout le monde est ravi. Bon alors, ne vous inquiétez pas, les mathématiques de l'époque ne sont pas du tout, mais alors du tout les mêmes que celles d'aujourd'hui. C'est qu'au Moyen-Âge, il y a quelque chose qu'on n'aime pas, mais alors qu'on supporte pas, c'est se casser la tête. Depuis l'aube des temps, le caillou est utilisé pour symboliser des chiffres. Si je fais ça, ça va faire... 16. Et si je fais ça, ça fait... 17. Super, vous avez tous compris, on va pouvoir passer à la vitesse supérieure. J'ai quand même été sympa avec vous. Ouais. J'ai pas utilisé la retenue. Bon, bah, va falloir débugger. On a dit qu'additionner c'était prendre et mettre ensemble. Quand on soustrait, prend et... Je sais pas. On enlève. Eh oui. Hop. Une erreur de calcul. Le chiffre négatif, à la base, il est fait pour faire... Des dettes. Et des reconnaissances de dettes. Effectivement, on a toujours eu des problèmes d'argent. Toujours. C'est quelque chose que tous les enfants recherchent. Pour eux, c'est une forme de Saint Graal. C'est comment réussir à faire une multiplication sans jamais, jamais, jamais avoir à connaître ces tables de multiplication. C'est ce qu'on appelle du net. Ça, c'est une base 2. C'est la toute première base 2 qu'on ait trouvée au monde. Eh bien, aujourd'hui, c'est ce qui sert à faire fonctionner tous les ordinateurs, téléphones portables et tout ce qui est électronique aujourd'hui. Alors, 8 plus 2, vous avez raison, ça fonctionne. Mais vous adorez vous casser la tête. Au Moyen-Âge, on a des chaussures, donc c'est pas pratique de compter en base 20. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va garder le principe de la vingtaine, mais on éliminera le comptage avec les orteils. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh, la base 12. Je vais mettre une douzaine ici. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Jusqu'au Moyen-Âge, en fait, tous les marchands sont aptes à compter jusqu'à 9999 avec leurs deux mains. On va créer, en tant que marchand, un langage international. Et ce langage, pour pouvoir faire du commerce, quoi de mieux que celui du chiffre? Si je fais quelque chose comme ça, je suis à 4, et donc si je fais comme ça, là je suis à 1422.